Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve sur la sixième épisode de Deadlight et ce playthrough. Donc j'ai oublié de vous dire la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière mais il y a quelques jours où je vous ai parlé dans la vidéo que c'était la cinquième épisode, oh non, la quatrième épisode pardon, tandis que c'était la cinquième. Donc là j'ai fait une petite bêtise mais ce n'est pas grave. Et ici on se retrouve sur la sixième épisode de ce jeu. Et donc on va continuer où est-ce qu'on s'est arrêté il y a quelques jours. Donc pour vous rappeler, on est sorti des puits, donc on s'est arrêté sur l'échelle. À un moment donné, là, il y avait un hélicoptère qui a passé, donc voilà. Donc voilà, je sais plus comment il s'appelle cette cinématique. Enfin, ah oui, voilà, on s'est arrêté ici où toute la ville est ravagée par des zombies, enfin partout, franchement. Donc voilà, donc maintenant on va continuer notre chemin vers pour trouver enfin l'enfant. Et donc voilà, il y a l'enfant qui m'avait appelé. C'est l'enfant qui m'a appelé dans la camionnette, on va dire. We have to get out of here. Run! Let's get out of here before we're caught by the big bird! What the hell? We're alive, you idiots! Alive! Oh mon dieu, c'est quoi ça? Ah, c'est un peu bizarre là, parce qu'il y a un hélicoptère. I want you to come back home. And hide? Like he does? I hate rat meat. No one can survive eating rat meat. I wanted to look for some food, but they surprised me because... Because you let your emotions take over and went to visit your mother. Isn't that right? My mother? My mother is... No. No. How do you know? Shit! Here they come again! Run! Run as fast as you can and don't look back! Mais je comprends pas, c'est quoi cette histoire de l'hélicoptère qui veut nous pour chasser pour rien, enfin c'est pas des humains comme nous quoi. Ah non, ça c'est franchement, ça devient de plus en plus dur. Mais je comprends pas, c'est cette histoire de l'hélicoptère qui veut nous pourchasser pour rien. Je sais pas, on comprendra vers la fin peut-être. Alors là, je sais pas quoi faire. Attendez là. Je suis mal foutu, je pense. Attendez là, il y a le truc. Ah oui. Attendez là, il y a un truc qui me gêne. Ah oui. C'est quoi ça? Voilà. Alors là, je pense que le truc doit tomber, mais voilà, c'est ça. Ensuite, je sais pas quoi faire, oui, je dois le pousser ici pour sauter enfin de l'autre côté, je pense, je suis pas sûr. Ah non, merde, attendez. Ah oui, pour vous dire, je vais vous annoncer un truc important, c'est que mes playthroughs dorénavant vont être que sur un épisode, enfin que sur un jeu, jusqu'à ce que je le finisse. Voilà. C'est-à-dire que je vais pas faire plusieurs playthroughs sur plusieurs jeux parce que ça va prendre beaucoup de temps et donc ça va être un peu gênant pour moi et pour vous, je pense. Donc pour cela, je vais faire des vidéos. Comme j'ai dit, pour cela, je vais faire des vidéos que sur un playthrough. Alors je disais que voilà, je ferai des playthroughs que sur un playthrough que de un jeu dans ce jeu. Et donc merde. Bon, je disais que voilà,
Et donc, comme ça va être plus rapide pour vous de voir tous les épisodes du jeu. Et donc, ça va être encore plus simple pour moi parce que je vais me concentrer que sur un jeu et que voilà. Voilà, alors je disais, attendez, c'est quoi ça? Bon voilà, c'est ce que j'ai dit, voilà. C'est ce que, bon j'ai dit ce que j'avais à dire, voilà. Donc là on va se concentrer sur Deadlight. Donc l'épisode que je vais me concentrer dessus et que je vais faire des piétrous jusqu'à la fin du jeu, c'est notamment, machin, c'est Deadlight quoi, voilà. Ensuite je vais commencer par ensuite je vais faire des playthroughs sur attendez là merde je veux mourir, bon c'est pas grave. Ensuite je vais faire sur voilà, après que j'ai fini le playthrough sur Deadlight, je vais faire des vidéos sur Dishonored pardon et Assassin's Creed. Donc Assassin's Creed, je vais finir à la fin de Dishonored et voilà. Donc là on va y aller, on va courir parce qu'il y a l'hélicoptère qui me pourchasse depuis le matin. J'ai pas envie de me faire trouver par attendez, on va courir là parce que là c'est dangereux. Non 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 s'il te plaît non. Non stop. Yes. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, je dois sauter de l'autre côté là. Il y a des zombies partout, j'ai peur. Voilà. Voilà. De courir comme ça jusqu'à la fin du monde ou quoi? Non, 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 mais merde, merde. J'ai fait une grave bêtise, je devais sauter en arrière, tandis que je l'ai pas fait. Alors, est-ce que je suis... Bon, voilà, je suis là. Les zombies par fenêtre. Me regarde, ça me fait ce jeu, franchement ça me fait hyper rappeler à machin, à Walking Dead, franchement je l'ai dit tout à l'heure la vidéo précédente et je le redis maintenant parce que bon voilà. Alors moi ce qu'on est, qu'est-ce que je devais faire? Attendez, il y a des électrices. Ok, allons-y, on y va. Ah non, encore! Non, c'est pas vrai. Oh là là là, vas-y, cours, cours, cours. Allez, allez. J'aime bien cet effet du ralenti là, de temps en temps. Non, 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 non! Je veux mourir. Non, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Non. Allez-y. Allons-y. Vas-y. Cours, cours, cours. Oh mon Dieu. Je comprends rien. Là, franchement, je comprends rien à ce jeu-là parce qu'il y a un hélicoptère qui vient pourchasser et pourchasser l'enfant, je pense. Là, franchement, débile. Oh merde. Merde. Eh hey merde! Allons-y, on y va.
On descend. Merde. C'est un peu... Bon, c'est... Comment dire, il y a des techniques pour ça, pour pouvoir survivre. C'est que en fait tout simplement je dois laisser l'hélicoptère tuer les zombies qui sont autour de moi. Voilà, voilà. Alors là je sais pas comment on fait, mais on doit le faire. Voilà. C'est bon, c'est ça la technique, je pense. Allez, merci. Vous me sauvez la vie. Attendez. Attendez là, c'est grave. Attendez là, c'est un peu chaud. Allez, au cours. Prends ta gueule, toi. Fais chier. Allez, cours, merde, cours. Putain, non, je vais mourir, je vais pas mourir, je vais pas mourir. Putain. C'était assez dur là, parce que... Fallait courir, fallait sauter, enfin, voilà quoi. Oh, on va pas se compliquer la vie, on y va. Oh non, pas encore. Pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, attendez, ce que je dois faire là, je dois récupérer un peu de... Attendez là. Allez, sauvez-moi la vie, merde. Attendez, ils pensent que je suis un zombie ou quoi? Je pense pas, moi. Attendez. Attends, qu'est-ce que je dois faire? Allez, venez. Voilà. Alors là, c'est un peu grave parce que... L'hélicoptère défense... défense quoi? En quelque sorte. Sans savoir pourquoi. Là, on essaie de nous sauver la peau et on sait pas pourquoi. Oh là 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 là. Dans les chiottes, dans les poubelles en fait. Ah non, je suis mort là. What the... Je comprends rien là. Je suis mort pour rien. Je pensais que je pensais que... Ah oui, c'est bon. I'm fine. I know my way around. They're trying to kill you, kid. J'ai eu peur. Think about that for a second. Let me help you get home. What's the fastest way underground from here? There's a sewer portal on the other side of the park. Then let's go. Run for it. Il y a des hot dogs là-bas. Ok. J'aime bien cette ville quand même. Lydia. My sweet Lydia.
La voilà enveloppée d'un papier taché de sang. Pendant le représentant un demi-cœur de ma fille Lydia. Sur le papier, un message d'écriture enfantine sur le chemin que tu m'as montré. Ah, la poubelle. Une page perdue de mon journal. On va le lire. Bon, vous mettez pause si vous voulez lire. Comme je le dis d'habitude. Mais moi, je vais continuer à jouer. Allez. You. Why didn't you shoot? They almost killed me, dude. My daughter. I'm sorry, I saw her. There was no one there. Only the shadows behind you. Let's go, through here. Ah, là, ça devient hyper intéressant. You won't get out of here again, boy. I'll punish you. You'll learn to behave yourself. I discovered where your friends are. They were taking them to the stadium just a while ago. To the stadium? In the beginning, it was the safest place in all of Seattle. Even more so than the Space Needle. A fortress of high cement walls protected by the military. But today, they've made it into one more horrific ring of hell. And what about my wife and daughter? What about them? I looked and listened, hard. I couldn't find any trace of them. If they have been captured by these men also, your friends may know. I need to go now. I've lost too much time already. Be careful, Mr. Wayne. Those men are dangerous. Bon, voilà, comme vous l'avez remarqué là, notre personnage a compris où se trouvent nos amis. Et donc là, je dois m'arrêter ici pour cet épisode. Comme j'ai dit tout à l'heure, je dois m'arrêter à chaque cinématique. Si ce n'est pas trop court, je vais m'arrêter à chaque cinématique pour continuer la prochaine épisode après la cinématique. Donc là, on a vu une cinématique et donc là, on s'arrête ici, comme je l'ai dit. Donc j'espère que cette vidéo, ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude et de vous abonner si vous aimez bien les playthroughs. Sur ce, je vous laisse à la prochaine épisode. Allez, bye tout le monde.